XIXe siècle, alors qu'André-Marie Ampère venait de publier ses travaux sur l'électromagnétisme, Jacques Arsène d'Arsonval et Marcel Desprez développent ensemble un instrument capable de mesurer de très faibles courants. Inventé en 1882, cet instrument s'appelle le galvanomètre de Desprez d'Arsonval. Il sera produit à l'échelle industrielle par l'Association des ouvriers en instruments de précision basée à Paris. Le modèle présenté ici a été acquis par l'Université de Lyon en 1943. Il a pendant des années servi à effectuer des mesures de courant lors des séances de travaux pratiques. Le galvanomètre est composé d'un socle circulaire en ébonite, reposant sur trois pieds en laiton. Pour effectuer des mesures de précision, l'instrument doit être posé bien à plat, d'où les deux niveaux à bulles sur le socle. De plus, pour éviter toute perturbation extérieure, on place l'instrument sous un capot. Lorsqu'aucun courant n'est appliqué, la bobine est à l'état d'équilibre. Elle se trouve dans le plan de l'aimant. Dès qu'un courant est appliqué, la bobine s'oriente dans le champ magnétique proportionnellement à l'intensité du courant qui la traverse. Ce phénomène est dû aux forces de Laplace. La lecture de la mesure se fait par méthode optique. La lumière provenant d'une source lumineuse est réfléchie par le miroir sur une échelle de mesure. L'orientation du miroir décale le spot lumineux sur l'échelle proportionnellement à l'intensité du courant.